c'est quoi ce démarrage là? C'est la nuit noire de la supply ou quoi là? Bah non, ne fais pas ton impertinent. C'est le geste national dans le cadre de la solidarité énergétique de la France. La sobriété. Non mais attends. Ok, la sobriété, mais c'est pas une nuit aux chandelles, c'est pas une fête au village, c'est la cérémonie des rois de la supply chain, c'est l'événement phare de la profession. C'est vrai. Tu as raison. Nous avons atteint le quota de sombritude. Voilà. Place à la claritude. Voilà. Bravo. Rien de tel qu'un meeting pour faire décoller cette soirée, un meeting aérien. Aérien? Ouais. Pourvu que mes prévisions de vente deviennent un peu moins déconnantes, pourvu que mon S&OP puisse nous sauver des pénuries, pourvu que mon système goods to man ne me fasse pas le coup de la panne, qu'on évite la noyade fatale sous les commandes omnicanales. Pourvu que j'ai l'accord de l'ADG pour lancer nos nouveaux projets et un jour monter sur une scène, se faire élire roi de la supply chain. Se faire élire roi de la supply chain. Trophée coup de cœur des rois de la supply chain 2023 est attribué à DB Schenker, les triporteurs français Cariole et Spring Project. L'innovation des rois de la supply chain 2023 est accordée à DB Schenker et triporteurs français Cariole et Spring Project. Alors ça, c'était pas prévu. C'était pas prévu. Ah non, ça c'est pas prévu, mais c'est comme ça. C'est ça la supply chain. I had a feeling that I could own. I had a feeling I could be someone. Encore une fois, merci. C'est juste un rêve que je suis en train de vivre. Je suis plein d'émotions. J'ai la voix qui tremble. J'aurai certainement quelques larmes qui vont couler. C'est des larmes de joie. Merci à toute l'équipe. C'est incroyable. Merci beaucoup. C'est l'équipe Socamille Vitron qui était roi de la supply chain, le grand prix de la supply chain en 2022 et qui dans la foulée, donc ça c'était en mars, et dans la foulée, pour ceux qui l'ignoreraient encore, en novembre, elle a remporté le trophée du jury, c'est-à-dire le trophée suprême des ELA Awards, c'est-à-dire au niveau européen, European Logistics Association. On fait ça? Ouais. Oh! Non mais là, c'est le remake de La mort aux trousses, là. C'est... Non? Bon, ça va. Ah si, il s'approche. Attends, moi, j'y touche pas. Hein. S'il y a du kérosène, je veux pas être sali. Tout doux, tout doux. Bah, il y a une enveloppe.
Wow. Je suis très fier de vous annoncer que le Grand Prix de la Supply Chain 2023 est accordé au projet Leroy Merlin, Wavestone. Venez nous rejoindre. Oh! Bravo. Projecteur sur les quais, sur les remorques dételées, et j'ai le plaisir, grâce à leur kit connecté, de très tôt, de capteurs et de systèmes de communication audiovisuels, d'appeler ses logistiques et GMR Safety pour ce coup de pouce sécurité des hommes et des femmes. Ouais, regardez, c'est super, génial. Une petite photo. Oui. Alors, merci à tous, mais vraiment merci. Hein? En tout cas, bruit, merci beaucoup. C'est génial. La soirée est à vous. Ne les merci perdez les pas. Partenaires. Merci New Gang Rich. Merci Muse Partner. Merci Sto Robotics. Belle soirée à vous. Merci beaucoup.